Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo scrap. Voilà. Aujourd'hui, je vais faire une page avec. Ça y est, je l'ai déjà pas sorti. Alors, on va faire une page en storyline. Voilà, comme j'avais fait l'autre jour. Vous voyez, avec ça. Et donc j'ai pas préparé grand chose, donc je vais faire comme ça me vient. Donc voilà la feuille, voilà, feuille A4, hein, américaine. Donc je vous rappelle que j'avais déjà fait une page comme ça la dernière fois, la voici, qu'on avait fait ensemble, hein, enfin ensemble, j'avais filmé. Donc je vais en refaire une aujourd'hui. Et aujourd'hui, le thème, c'est une photo de mon petit-fils à sa naissance, il y a 10 ans. Voilà. Donc, je vais voir comment je vais la faire. Voilà, je n'ai pas prévu grand-chose. Donc, vous allez voir au fur et à mesure. Donc, j'ai prévu deux photos que j'ai déjà recoupées. Alors, sa photo ici, à la maternité. Et la photo avec sa maman, ma belle-fille. Voilà. Donc, je les ai déjà recoupées un peu. Et là, j'ai pris ça comme papier. Voilà. Ça. Donc, derrière, ça fait ça, les petits carreaux. Là, ça fait des lignes comme ça, mais je vais pas... ce côté-là, je ne me servirai pas. J'aime pas. J'ai pris du blanc comme ça. Du cardstock, donc du cardstock bleu ciel, voilà, et un cardstock gris bleu foncé. Donc je vais voir, et peut-être que je reprendrai d'autres papiers, je sais pas encore. Voilà, mais je veux pas la faire trop chargée de toute façon cette fois-ci. Donc on y va, je baisse le téléphone. Alors d'abord, je vais m'occuper des photos. Donc, je pense que je vais mettre sur le bleu ciel. On va regarder. Je vais voir ce que ça fait sur la foncée. Je vais mettre d'abord sur la foncée. Alors, je prends du double face. Voilà, la première, je garde les petits bouts, et la deuxième. Mes deux photos sont faites. Je vais voir pour les emplacements.
Donc c'est vrai que sur une petite feuille comme ça, c'est difficile hein, de mettre beaucoup de... Comment? Mettre beaucoup de décor, donc... Mais on va y arriver. Donc là, je voudrais avoir des ronds, le ciel. Faire un troisième. Donc ça, ce sera pour après. Donc, ici je vais couper 5 cm. Donc la marque, parce que là je vois que je vais la couper, c'est Petit Pois Carotte de Casey Art. Donc ça ira bien au milieu. Ça va être une page assez simple. Simple, simple, simple. Alors. Est-ce que je mets... Alors, je vais regarder dans ce bloc s'il y a quelque chose qui pourrait aller. Mettre ça sur le côté. Donc, ça, c'est rose. C'est pas mal. Ça c'est rose. Ça c'est pas mal. Je retiens. Parce que je veux pas que ce soit flashy là cette fois. Je veux pas de flashy.
Donc ça, j'ai déjà un bout. Ça, non, c'est rose. Ça, c'est bien aussi, mais les dessins sont trop grands. Non. Ce que j'ai pris, ça a l'air de me plaire. Là, je vais faire un encadrement comme ça, je pense. Il est là. Alors, je vais refaire des ronds. J'espère que j'aurai assez de papier dans celui-là. Bon, je peux en faire deux. C'est déjà ça. Celle-là, je ne sais pas si elle vend encore de perfo. Oui. Bon, en fin de compte, je pensais utiliser celui-là, mais non. Non. Elle commence à être bien usée. Ah, bon, il faudrait un petit une comme ça. Voilà. Alors, pas que j'oublie que je vais marquer Matisse, mais là, je vais le marquer de toute façon, donc...
Bon, il m'en reste un, mais... Là, je vais voir après. Je vais d'abord coller cela. Alors là, je vais coller avec quoi? De la colle. Je vais prendre ma Cléopâtre. Voilà, je vais coller la photo. Voilà. Je cherche. Donc là, pareil, je colle la photo.
Voilà. Alors, il me reste ça. Donc, je pense que je vais les couper en deux. Droit, si possible. Je ne sais pas si vous entendez le vent à travers la vidéo. Je crois que ça ira. Alors, est-ce que je mets des lettres ou juste le 10 ans? Non, c'est en argent, donc c'est pas celle-là. Est-ce que j'ai des lettres en argent? Oui.
Je vais y mettre le premier mot en premier, c'est qu'à le dire, mais ça fait rien. Ah, il y a des trucs qui roulent dans la rue avec le vent. Voilà. Voilà. Bon, ben, je crois que c'est pas la peine de mettre plus. Là, il me restait ça, mais bon. Je regarde. Moi, je mets là, mais. Après, une fois qu'on fait trop chargé, ça va pas. Surtout là, sur une petite feuille comme ça. Ça, ben... Non, c'est bon. Donc maintenant, il faut que j'écris ma petite phrase. Alors, quand, alors la date, c'était le 9 janvier 2010 et la maternité à Saint-Sauve. C'est bien, c'est écrit sur la photo. Là, je vais marquer, la date que j'ai faite. Alors, on est le 15 février. 2020 et on est un dimanche. Voilà. Alors,
Non, Edith ne rajoute rien. Edith ne rajoute rien surtout. Il ne faut pas que tu rajoutes des choses. Non, Edith ne rajoute rien. Et des petites perles, toutes mignonnes. Je te jure, ça se verra presque pas. C'est rien, je pète un câble. Et toute mini, mini, mini. Deux, trois, quatre, cinq. Je compte parce que je veux faire des nombres impairs. Il faut toujours faire des nombres impairs. 6. Et là, toi. 8 et une neuvième. Qui ne veut pas venir. Et là. Voilà. Voilà. Non, rien d'autre. Non, là c'est sûr, je rajoute rien. Après, ce sera trop. Parce que je vais la laisser vraiment très très fraîche. Allez, je vous remonte et je vous la montre. Donc, voilà la page. Donc, avec les écritures. Mais toute simple. Elle était assez rapide à faire. J'essaye. Il n'y a pas beaucoup de luminosité aujourd'hui. Hein. Je suis désolée. Je vais vous mettre des photos après. Voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous voulez que je fasse un peu plus souvent des pages comme ça, enfin des A4 ou des 30-30 ou des petites, ou voilà, dites-moi. J'en ferai de temps en temps, il n'y a aucun souci. En plus, ça me change un petit peu hein, de ce que je fais d'habitude. Et bon, je n'ai pas envie de ranger mon bordel là pour l'instant. Je rangerai demain. Là, je vais redescendre parce que là, je suis dans mon atelier. Et je vais donc prendre des photos de la page. Je vais vous les mettre à la fin de la vidéo, comme ça vous la verrez bien. Et puis ben, j'attends vos commentaires ici dessous, vos petits pouces bleus, voilà. Et puis si vous n'êtes pas abonné, ben, abonnez-vous et puis cliquez sur la petite cloche pour recevoir mon actualité régulièrement. Il y a très très régulièrement des vidéos sur ma chaîne, voilà. Allez, je vous embrasse tous très fort. On se retrouve vite, vite, vite. Vous voyez, en ce moment, il y a pas mal de vidéos. Et je vous fais des gros, gros bisous.
Et comme on est dimanche, ben je vous souhaite à tous une très bonne semaine. À bientôt. Bisous, bisous.